tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Michelin. Michelin, il va vous faire rêver, il est inspiré par les plus grandes marques, Chanel ou encore Gucci. Et aujourd'hui, il est pour vous. Si, si, je vous assure, vous allez me dire, oh là là, mais qu'il est compliqué ce sac, matelassage, fermoir à visser, œillet, on n'en veut pas. Eh bien si, moi je vous le dis, vous allez le faire, vous allez y arriver et vous allez en redemander. C'est parti. Pour le beau Michelin, il vous fera 50 cm de velours, 50 cm de doublure, des chutes de molleton ou de la feutrine, des œillets, donc il vous en faudra deux, de 1 cm de diamètre, l'outil et un marteau, un fermoir d'environ 5,5 cm à visser et de la chaîne qui passe dans vos œillets environ 1,50 m. Pour commencer, on va matelasser. Donc pour ça, vous allez prendre vos pièces de molleton ainsi que vos deux devants, un des deux rabats et la bande extérieure. Pour la languette, elle ne sera pas molletonnée, même si vous avez coupé un molleton, ça n'a rien à voir, vous comprendrez plus tard. Vous ne vous en servez pas pour le moment. Donc on va tout simplement bien épingler chacune des pièces envers contre le molleton, peu importe, il n'y a pas d'endroit mis envers. On épingle bien toutes les pièces. C'est très important, vous pouvez même bâtir ou faire un petit point de maintien avec votre machine à coudre. Ça va éviter que votre tissu glisse, surtout sur le velours, ça peut être très important. Une fois que vous avez bien épinglé toutes vos pièces, donc on récapitule, un devant, un dos, un rabat et la bande extérieure. Vous allez pouvoir soit tracer à la craie et avec une règle votre matelassage. Au choix, vous pourrez avoir d'autres possibilités de matelassage sur le blog. Et sinon, vous pouvez utiliser le petit outil que j'utilise, donc c'est livré avec votre machine. Ça peut aussi se rajouter, c'est optionnel, souvent. Et donc, ce qui vous permettra de vous guider. Donc moi, j'ai fait des lignes à 2 cm d'écart l'une de l'autre. Donc, vous voyez, en fait, ça permet vraiment d'aligner vos repères et d'avoir toujours le même écart entre vos lignes. Mais si vous le faites au tracé, il n'y a pas de souci, ça fonctionne aussi. C'est pas compliqué du tout le matelassage, il ne faut pas avoir peur. Et après, il vous suffit de tracer dans l'autre sens si vous faites un autre matelassage. Là, vraiment, ça va dépendre du matelassage que vous avez choisi. Maintenant, on va passer à l'assemblage de la doublure. Donc, pour ça, rien de compliqué non plus. Si vous avez déjà cousu Paul et Jean-Paul, vous allez vite comprendre. On va créer une poche. Donc, pour ça, vous allez placer endroit contre endroit la poche sur le bas, sur la partie basse de la doublure, en vous aidant des repères. Vous allez bien épingler. Donc, encore une fois, on épingle bien, c'est toujours important. Ça vous évite de bouger et on piquera à 1 cm. Vous allez faire pareil sur l'autre. On met le repère sur le repère, donc la poche sur la partie haute de la doublure cette fois-ci, donc qui est dans le tissu extérieur, donc le tissu velours. Et donc pareil, on épingle bien et on va venir piquer à 1 cm. Donc là, vous piquez juste le long de la poche, il n'y a pas besoin de dépasser la poche, ce n'est vraiment pas important. Et vous faites bien un point d'arrêt au début et à la fin. Une fois que vous avez fait ça sur votre partie haute et votre partie basse, vous allez repasser la poche vers le bas. Et on surpique à 1 mm. Vous voyez, ce n'est pas compliqué du tout. Jusque là, tout va bien. Une fois que vous avez fait ça, vous avez une belle surpiqûre de chaque côté, on va assembler les deux. Donc en fait, vous allez épingler la partie haute sur la partie basse, les poches sur les poches, endroit contre endroit. Et vous allez coudre tout autour de là où vous épinglez. Vous voyez, on épingle le petit côté des deux doublures qui sont l'une sur l'autre, les deux poches, et on va faire
le contour, en piquant à 1 cm toujours. On va faire une sorte de chapeau. Arrivé à 1 cm de votre bord de poche, voyez, vous tournez sans bouger votre aiguille de votre tissu. Vous allez juste lever le pied presseur. Hop, on change de point. Il faut bien qu'il y ait 1 cm, sinon vous refaites un petit point ou vous décalez en arrière. Et là, voilà, vous allez finir votre contour. Une fois que vous avez fait ça, tout simplement, on repasse. On repasse bien la poche pour bien la former. Voilà. Allez, vous avez votre poche. On va faire la deuxième partie de la doublure. Donc pour ça, rien de compliqué. On va juste mettre cran sur cran la partie haute et la partie basse des doublures. Et on va venir coudre à 1 cm, repasser vers le bas. On va ensuite prendre la bande de la doublure. Intérieure de la doublure, pardon. Vous allez assembler avec la petite partie haute que vous avez, donc un petit rectangle, que vous allez placer en haut de chaque côté de cette bande. C'est ce qui vous permettra d'avoir une belle finition sur votre doublure. Et une fois que vous avez repassé vos coutures vers le bas, vous allez pouvoir épingler avec vos deux devant et dos doublure. Donc vous faites bien correspondre les coutures, les coutures qui permettent d'assembler les deux doublures, la partie haute et la partie basse. Et vous allez faire pareil de chaque côté. Vous épinglez d'abord les hauts, pour pouvoir après répartir au cas où vous ayez un petit peu d'embut. Je vous explique, selon le tissu que vous allez avoir, vous pouvez avoir plus ou moins d'embut. Sur des tissus extensibles, vous n'allez quasiment pas le voir. Le velours souvent est un petit peu extensible. Et du coup, il se place relativement bien. Si vous utilisez un tissu type jean, vous n'avez pas du tout d'extensibilité. Là, ça peut devenir un petit peu plus... Enfin, pour attirer un petit peu plus pour sûrement résorber l'embut. Une fois que vous allez avoir fait ça, vous allez piquer à 1 cm ce que vous venez d'épingler. Donc pour les angles arrondis, c'est pas très compliqué, vous allez prendre votre temps, tourner tout doucement, donc tout en restant à 1 cm, et en fait vous allez petit à petit vous allez replacer les plis qui sont formés dans l'angle pour ne pas passer dessus. Tout ce qui compte, c'est ne pas coudre votre pli. On tire légèrement, on replace, et ainsi de suite. Et vous posez tout le tour comme ça. Maintenant, on va placer l'autre côté de la doublure. Mais là, donc, on va faire pareil. On positionne bien les coutures sur les coutures. Ça, c'est très important pour avoir vraiment une belle finition. Mais il va y avoir un petit changement sur cette doublure. C'est que de ce côté, on va laisser une ouverture d'une dizaine de centimètres sur le côté. Donc, vous voyez, on place une première épingle. Et le début de notre ouverture, et une deuxième épingle qui sera la fin de la doublure. Et là, après, on continue à épingler tout autour, rien ne change, et on fera pareil, et on coud le tout à 1 cm en laissant l'ouverture. Maintenant, on va passer à la languette. Donc là, vous voyez, vous allez utiliser le molleton que vous allez placer à l'extérieur. Donc vous avez vos deux languettes endroit contre endroit, et sur un des deux côtés, peu importe lequel, vous allez placer votre molleton, votre feutrine que vous avez coupé tout à l'heure. C'est juste pour vous permettre d'avoir une épaisseur un petit peu plus importante pour votre fermoir que vous allez poser tout à l'heure. Si votre tissu est déjà très épais, ce que je ne vous conseille pas pour avoir des belles finitions, vous n'avez pas besoin de mettre de molleton. Ou alors, vous pouvez aussi en mettre éventuellement juste au niveau du fermoir, mais c'est plus simple de faire comme ça, je trouve. Une fois que vous avez cousu le tour en laissant ouverture, vous allez bien cranter. Donc vous laissez, vous voyez le bord droit, en fait, vous allez le laisser ouvert complètement. Je suis peut-être allée un petit peu vite sur cette étape, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin, surtout. Donc là, on crante bien les arrondis et on retourne. Donc, on prend son temps pour bien retourner, on repasse bien. On fait de jolis arrondis, donc moi je mets de la pointe de mes ciseaux. Surtout ne prenez pas des ciseaux pointus. Et une fois que vous avez surpiqué nervure vos contours, on va passer au premier fermoir. Donc là on va poser la partie ouverte.
Donc on démonte le fermoir, on le dévisse. On décide d'où va se placer le fermoir. Donc ça va dépendre de vos fermoirs que vous avez choisis. Et on va tracer l'intérieur. Donc le petit rectangle intérieur. Vous voyez, je suis vraiment à l'intérieur, c'est pas l'extérieur. Hein. Et pareil au niveau des vis. On fait un revers sur les vis. Vous allez prendre une petite règle ou alors vous allez tracer à main levée comme vous voulez. Et continuez votre rectangle jusqu'au vis en fait. Jusqu'au petit repère qu'on a fait pour les vis. Et là, avec la machine, on va faire un petit point à 1 ou 2 mm de ce rectangle qu'on vient de faire. Ça en fait, c'est vraiment pour vous permettre d'avoir une belle finition. Et que ça ne s'effiloche pas trop par la suite ou que ça ne se déchire pas. Ça va vraiment être une piqûre de maintien. Et là, vous voyez, votre molleton à l'intérieur a toute son importance parce que vous allez vraiment avoir quelque chose de propre et de solide. Une fois que vous avez fait ça, vous allez couper sur le tracé. Attention, on ne coupe pas la piqûre qu'on vient de faire. Une fois que vous avez tout bien tracé, si votre tissu s'effiloche beaucoup, je vous conseille de mettre un petit coup de vernis incolore pour éviter les petites effilochures. Et là, on va simplement venir poser donc sur l'endroit le côté endroit, on va dire, de votre fermoir. Et vous allez poser de l'autre côté la partie en vert. Et là, vous allez simplement tirer un petit peu pour sortir, voilà, pour que votre tissu se place autour de la vis. On place la vis et on visse, tout simplement. On va faire pareil, des deux côtés. Et là, il va falloir, normalement, ça s'est bien placé quasiment du premier coup. Vous avez juste un petit peu à replacer autour pour éventuellement si c'est un petit peu bougé pendant que vous avez posé. On coupe les petits fils s'il y en a qui dépassent. Et voilà, vous avez un premier fermoir de poser. Vous voyez, pas compliqué. Maintenant, on va passer au rabat. Donc pour ça, vous allez poser votre rabat que vous venez de coudre et de poser le fermoir. Oula, c'est pas très français ce que je viens de dire. Vous allez le placer entre les deux rabats. Donc un molletonné et un non molletonné. Donc placez bien endroit contre endroit. Pareil pour la languette. Une fois que vous avez cousu à 1 cm, vous allez bien cranter vos arrondis. C'est vraiment très important pour qu'on ressorte bien les angles et les arrondis et avoir un bel arrondi sur le devant. Donc là, vous allez pouvoir tout retourner par l'ouverture que vous allez laisser en haut. On ressort bien, donc encore une fois, moi je mets de mes ciseaux. Et une fois que c'est bien ressorti, on fait pareil pour les angles avec une grosse épingle. On va bien repasser. L'étape du repassage à ce moment-là est vraiment très importante pour voir si on a bien tout ressorti, si on n'a pas besoin de recranter, si on n'a pas de vilain pli qu'on pourrait modifier tout de suite. Il faut vraiment que ça soit parfait. C'est quand même votre face extérieure et c'est vraiment important d'avoir un beau rendu à ce moment-là, de prendre son temps. Vous allez faire pareil à l'intérieur. Il est possible que vous ayez quelques plis, donc il faut les enlever. On va pouvoir assembler la partie extérieure. Donc là, ça va être comme pour la doublure, sauf qu'on ne laisse pas d'ouverture. Vous allez simplement poser la bande sur le devant et le dos et on fait tout le tour. Là, il n'y a rien de compliqué du tout. C'est juste qu'on fait le tour, on ne laisse pas d'ouverture, on pique à 1 cm. Donc pareil, alors là, vous avez quelque chose un petit peu plus épais, donc ça peut être un petit peu plus délicat. Mais on y va vraiment doucement et pour les angles, on bouge au fur et à mesure sa masse de tissu pour éviter les plis cousus. Vous pouvez avoir des plis qui vont se former, mais normalement, ils vont une fois repassés, c'est terminé, on ne les voit plus. Il ne faut pas les avoir cousus, c'est vraiment le principal. Une fois que vous avez cousu les deux faces, vous repassez bien et on va pré-piquer le rabat pour pouvoir poser le fermoir, le deuxième fermoir sur la partie devant de votre sac. Donc là en fait, on va simplement positionner, vous voyez, vous laissez 1/2 cm de chaque côté du rabat par rapport à vos futurs côtés. Et une fois que vous avez fait ça, vous piquez à 0,5. Quand vous avez cousu, vous voyez, vous placez votre sac comme s'il était fermé.
Vous allez prendre la petite plaque de votre dessous de fermoir, la placer là où elle doit être quand elle est fermée. Et vous allez surtout mesurer pour voir si elle est bien centrée. Parce que vu qu'on fait ça à main levée, des fois ça peut bouger un peu. Donc n'hésitez pas à vérifier vos mesures. Une fois que vous avez fait vos deux petites entailles, comme je viens de faire, vous allez les ouvrir avec les ciseaux. Donc c'est vraiment deux toutes petites entailles, même pas 1 cm, c'est 0,5. Et on va pouvoir passer, vous voyez, les deux petites dents, et on fait comme une attache parisienne. Donc là, on met la petite plaque à l'intérieur, et ensuite on referme, paf, paf. Donc vous pouvez vous aider d'une pince pour bien fermer le tout. Il faut que ça soit bien serré, pour que ça soit bien solide et que ça tienne bien. Et là, encore une fois, le molleton à l'intérieur va vraiment vous aider à avoir plus de solidité. Et voilà, le fermoir est fait. Maintenant, on va passer à l'assemblage du sac. Donc, vous allez mettre votre sac extérieur sur l'endroit, votre doublure sur l'envers, et vous allez mettre le sac extérieur dans la doublure. Et du coup, l'endroit se retrouve sur l'endroit. On va bien placer toutes les coutures les unes sur les autres. C'est très important, et vous ouvrez vos coutures. Vous épinglez bien. Cette étape est vraiment importante pour vous aider au maximum pour l'assemblage. Vu que vous avez plusieurs épaisseurs, ça peut paraître compliqué. Et là, on va simplement coudre à 1 cm tout autour. Pas besoin de laisser d'ouverture, elle est déjà laissée dans votre doublure, je vous rappelle. Donc pensez à bien ouvrir vos coutures à chaque fois quand vous passez dessus. Pour pas que ça vous fasse des épaisseurs un petit peu disgracieuses et que ça vous fasse ou alors des plis même éventuellement. Une fois que vous avez fait ça, vous allez retourner par l'ouverture. Donc là, on y va tout doucement pour pas déchirer. Et une fois que c'est retourné, on va pouvoir déjà couper les petits fils si vous en voyez. Et ensuite, donner un premier coup de fer à repasser. Là, ça va commencer à être les finitions en fait. On commence à arriver à la fin. Donc on repasse bien le tout. Et ensuite, on va fermer cette petite ouverture qu'on a laissée. Donc moi, je la fais à la machine. Vous pouvez le faire aussi à la main, il n'y a pas de problème. Enfin, un petit point invisible. Ça se fait assez rapidement, c'est une toute petite épaisseur. Une toute petite longueur, pardon. Je sais plus ce que je dis. C'est trop longtemps que je parle. Donc, on va bien tout placer. Et là, c'est important de rouloter vos coutures pour les ressortir et les repasser. Cette étape de repassage est vraiment importante pour que tout se place bien. Et là, on va faire tout le tour comme ça, à ressortir toutes les coutures, tout aplatir, à rouloter, à l'intérieur, à l'extérieur. Et maintenant, on passe vraiment aux finitions, on va poser les œillets. Donc pour ça, vous allez prendre votre petit outil, une petite planche pour pas abîmer votre table. Donc moi, j'ai un tout petit morceau de bois, c'est très pratique. Vous allez placer la petite rondelle de plastique en dessous et placer la partie, alors on voit pas très bien, je suis désolée, la partie un petit peu coupante, de toute façon vous allez le voir quand vous passez votre doigt sur l'extérieur du tissu, donc par dessus. Donc on place le centre au niveau de votre repère. Et donc vous allez pouvoir, n'hésitez pas, si là les tissus sont un peu épais donc des fois ça coupe pas très bien, vous voyez moi j'utilise mes ciseaux pour couper. Et je le fais en deux fois parce que vous voyez par exemple le molleton, la deuxième épaisseur de tissu n'a pas été bien coupée. Donc là vous voyez je finis même au ciseau, étant donné que j'ai déjà mon marquage de fait. Et donc on va pouvoir poser l'œillet. Donc pour ça vous allez prendre l'autre partie donc, de votre petit outil blanc en dessous, enfin peu importe la couleur. Et vous allez placer la queue de l'œillet vers le haut. On place le rabat dedans, on met la petite rondelle et ensuite on place le côté plus large de votre petit outil sur le haut. Un petit coup de marteau, on fait pareil de l'autre côté. En général, vous avez quelque chose de bien détaillé à l'arrière du paquet des œillets. C'est plutôt bien détaillé en général.
Et ensuite, on va pouvoir passer à la chaîne. Donc là, n'hésitez pas à prendre la longueur sur votre épaule. Moi, au final, j'ai mis 1m20 de chaîne. 1m30, pardon, je vous dis des bêtises. Parce que j'aime bien les passer en bandoulière. Donc du coup, en général, je le porte rarement sur l'épaule. Je le porte souvent autour, du cou et du coup en dessous de l'épaule. Et voilà, une fois que vous avez réglé, vous ouvrez votre maillon, vous refermez. Et là, magie, un nouveau sac. Bon, j'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il vous aura pas fait trop peur malgré le fermoir et le matelassage. J'espère voir vos Michelins et pouvoir les poster sur le blog très vite. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bisous.